Et salut les loulous! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau deck à base de deux Pokémon, vraiment, comme vous voyez, hein, la composition est vraiment simple. On utilise Pelage Sablé X et Rampe L. Donc deux Pokémon temps passé, deux types combat. Donc l'avantage c'est qu'au moins tout tourne autour d'un seul type. Et je vous présente ces deux Pokés immédiatement. Donc on a Pelage Sablé tout d'abord. Donc 220 points de vie avec un bon petit talent. Donc absorption magnétique. Une fois pendant votre tour, s'il reste 4 cartes récompense ou moins à votre adversaire, vous pouvez attacher une carte énergie combat de base de votre pile de défausse à ce Pokémon. Donc il se recharge automatiquement en fait du moment que votre adversaire atteint les cartes, les 4 cartes récompenses. Qui va quand même assez vite. On va dire que pendant la moitié de la partie, enfin, allez, 65-70% de la game, vous êtes quand même sous l'effet de ce talent qui est extrêmement utile, hein, disons-le. Donc ensuite on a là une seule attaque, donc piquant terrestre, 2 énergies combat, une incolore, 200 net. Pendant le prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Donc on est obligé évidemment donc de retraite ou d'être KO, malheureusement. Donc voilà. 200 c'est pas mal, c'est correct, ça peut faire des petits dégâts. Donc là on a Rampe L, donc 140 PV, hein, Pokémon de base, hein, 140 PV c'est vraiment excellent. En plus temps passé, donc on peut utiliser une autre carte que je vais vous présenter après. Donc pour une énergie on a Tohubohu, défausser la carte du dessus du deck de votre adversaire. Donc cette attaque est correcte. Ça aurait pu être plus fort, mais en vrai, ça peut être utile. Hein. Vous pouvez gagner au deck out, vous pouvez vraiment gagner comme ça. Mais surtout, la plupart du temps, ce que vous allez utiliser pour essayer de faire des dégâts, c'est la deuxième attaque. Donc, Turbulence Enflammée, 120 points de dégâts. Ce Pokémon s'inflige 90 dégâts, donc évidemment, vous êtes quasiment sûr d'être KO lors du prochain tour. Hein. Vraiment, vous n'avez plus rien en vie, vous avez 50 points de vie restants. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser deux fois, cette attaque. Par contre, le Pokémon adverse, il est brûlé, ce qui fait donc virtuellement 140 points de dégâts. Voilà, ça fait toujours au minimum 140. C'est bien, c'est vraiment bien pour deux énergies, c'est un Pokémon de base je rappelle. Alors certes il s'inflige des dégâts mais la plupart du temps ça vous permet quand même de taper. Et puis ce Pokémon est vraiment trop stylé puisque c'est Pyrax en version passée. Donc maintenant quel est l'intérêt de ce deck? Donc je suis parti sans moteur de pioche, uniquement avec le Pokéstop. Donc du coup Pokéstop, hein, on regarde les 3 cartes du dessus du deck, on défausse tout. Et si on trouve des objets parmi ces 3 cartes, au lieu de les défausser, on les récupère directement dans la mimine. Ce qui est extrêmement pratique disons-le. Sachant qu'on a quand même beaucoup de cartes objets dans le deck. Donc on a échange croisé en x4 évidemment. Il faut jouer donc 2 échanges croisés à la fois. Donc ça remplace notre ordre du boss, nos échanges, tout ça. C'est extrêmement pratique. Donc échangez l'un des Pokémon de bande de votre adversaire avec son Pokémon actif. Et dans ce cas, on fait la même chose de notre côté. Ce qui est littéralement une sorte d'ordre du boss, ou plutôt un Guzma, enfin, c'est vraiment très puissant, c'est comme l'ordre du boss, parfois mieux même. Ensuite, on a l'attrape-riposte, toujours utile, hein, si on a plus de cartes récompenses, on peut échanger le Pokémon actif contre un Pokémon de banc. 4 échanges d'énergie pour profiter du talent de Pelage Sablé et également le transférer sur Rampe L, les énergies. Vous allez voir, je pourrais le faire dans la game. Donc, pas de régénération d'énergie, pourquoi? Parce qu'on a Mimosa qui mélange avec notre deck, donc 5 Pokémon de la défausse, et si en plus on a mélangé au moins une carte, on en pioche 3. Donc ça nous fait piocher un petit peu et ça nous régénère les Pokémon. 2 Pokématos pour récupérer des cartes supporters. Donc regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer une carte supporter que vous y trouvez, puis l'ajouter à votre main. Voilà, donc tout simple, hein, mais extrêmement pratique pour ne pas être bloqué. Donc 2 capsules d'énergie booster du temps passé. Donc ça, c'est le Pokémon du temps passé auquel cette carte est attachée, reçoit 60 PV, guéri de tous les états spéciaux et ne peut pas être affecté par aucun état spécial. Donc littéralement, c'est bien. 60 PV, c'est vraiment bien parce que ça nous permet notamment d'atteindre donc 280 points de vie avec Pelage Sablé, mais surtout, ça nous permet d'atteindre 200 PV. Et donc, on peut utiliser 2 fois notre attaque Turbulence Enflammée. Puisque ça nous fait donc 180 dégâts, il nous restera 20 points de vie avec Rampe L. Donc c'est bien, vous voyez, ça c'est efficace sur les deux pokés. Ensuite, on a Vitalité de la Professeure Olim, qui est littéralement la carte la plus puissante du deck. Donc on choisit 2 Pokémon temps passé en jeu, les nôtres bien sûr. Et on peut attacher à chacun de ces Pokémon une carte énergie de base de notre pile de défausse. Donc 2 énergies attachées de la pile de défausse à 2 Pokémon différents. Et en plus, après ça, on pioche 3 cartes. Donc c'est vraiment super pratique. Donc notre priorité, c'est évidemment aussi de défausser de l'énergie, hein, bien sûr. On a 12 énergies combat dans le deck, 2 points vengeance pour faire un petit peu plus de dégâts quand on a mis KO. Et puis globalement on est sur une composition assez simple. Moi je vous propose de vous montrer ça en action immédiatement. Let's go. Allez, let's gong. Ok, je vais prendre pile. Alors qu'est-ce qu'on affronte cette fois, les petits loulous? Contre quoi on est là? Joue en premier.
En vrai, notre deck, on peut se permettre de jouer second. Ça dépendra de notre main de départ. On va jouer en premier quand même, si on peut placer quand même un petit Pokéstop, notamment. Ça nous permettrait d'avancer sur, sur la défausse. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on n'a pas une super main. Hein. Misère d'entrée de jeu. Après, c'est normal, hein, on a quand même que 9 Pokémon dans le deck. Et j'ai en plus seulement... Enfin, ils sont tous de base, donc... allez, qu'est-ce qu'on chope, là? Misère. Bon. Ouh, dangereux, là. Heureusement que j'ai une faible ball Pokéstop, ça peut quand même permettre de redémarrer. Par contre, perdre mes deux échanges d'énergie à cause de la recherche, ça ferait un peu mal. On va essayer de pas défausser tout ça. Si possible, tout de suite, du moins. Ok, deck électrique. Alors, on a potentiellement... moyen de tirer avantage de ça, quand même. Donc, faible au bol, je vais bench, pelage sablé au cas où. Direct Pokéstop, on voit si on peut pas défausser de l'énergie ou quoi. Une énergie, c'est pas mal. Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Avant de bench autre chose, on va juste passer notre tour. Espérant qu'il attaque pas tout de suite, quand même, ça ferait mal. Ouais, si je perds mon rampel maintenant, ce serait un peu violent, quand même. J'espère pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, derrière, j'aurais 5 cartes récompenses restantes à l'adversaire. Je pourrais même pas utiliser mon talent. Donc, le talent de pelage sablé, ça, ce serait gênant. Par contre, l'avantage de la faiblesse, c'est que ça peut vraiment me permettre de one-shot quasiment tout, même avec rampel. Hein. Là, pour le coup, en plus, l'avantage, c'est qu'ils ont pas la même faiblesse. Vous voyez, pelage sablé, il est faible au type plante et rampel au type psy. Donc ça, c'est bien, ça combote bien, ça permet d'avoir bah, naturellement une synergie, quoi. Vous n'êtes pas sensible à la même chose, et donc vous pouvez vous protéger, tout simplement. Ok, donc on a Pepper. Là, ça va sortir un générateur, à mon avis. Ça va essayer de m'attaquer au premier tour. Et s'il réussit le générateur, ça peut vraiment me faire chialer. Parce que, bah, ça peut retourner la game, là, en fait. Ah, j'en étais sûr, le générateur. J'étais sûr, sûr. Et ça va fonctionner, vous allez voir que le générateur va trouver deux cartes. Allez, voilà, allez, les deux cartes. J'en suis sûr. Voilà, allez, bah c'est bon. Après, on va me dire, oui, mais Buscar, tu rages. En fait, je vais me mettre KO tout seul avec mon attaque, c'est ça le problème. Si j'arrive pas à choper le capsule booster. Ah, évolution. Comment ça, évolution? Ah, Zeraora, V-Star. Et oui, c'est vrai. Effectivement, on peut jouer ça aussi. Zeraora, V-Star, c'est pas bête. Par contre, moi, je peux tenter quand même une attaque, là. Hein, avec mon rampel. Manaphy. Allez, Pokéstop. Bien, une énergie. Pelage sablé, c'est un peu dommage. Mais bon, allez, go. On fait ça. On attache là, on attache là. On pioche 3 cartes. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais mettre Manaphy, ça peut me servir quand même. Derrière, compliqué là, les loulous. En fait, je peux me permettre de faire l'échange d'énergie. Hein. Je vais faire ça. On va faire ça. J'adore cette carte, hein. Échange d'énergie qui permet de faire tellement de plays dans ce deck. Derrière, échange croisé, ce serait dommage de le perdre quand même. Mais j'aimerais bien remettre un rampel. Ah, c'est pénible. Ah, j'en sais rien. Parce que point vengeance, ça abaisserait les PV de l'autre. Sauf que je mets KO en un coup dans tous les cas, en fait. Point vengeance, il me sert à rien pour le moment. Bon, je vais mettre un rampel. Je vais mettre un rampel, tout simplement parce que si jamais j'ai un souci... notamment si jamais je peux réattaquer direct après, je vais pas me faire prier. Je vais attaquer. Allez. Ah, ça aurait été bien, j'aurais dû garder le point. Ah, je suis trop bête. Parce qu'en fait, je lui fais 10 dégâts, pas assez pour le mettre KO en un coup, le Zeraora. Il y a que Pelage Sablé qui peut le mettre KO en un coup. Ah, ça c'est bête, c'est bête, c'est bête. Bah, tant pis. Hein. Alors, lui, c'est fait quoi déjà? Choisissez 4 fois un Pokémon. Cette attaque lui inflige 60 dégâts. Ses dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse. Ouah, ça fait mal ça. Hein. Infligez-lui 60 dégâts. Ah oui. Donc, il peut vraiment nettoyer mon banc, quoi. Ah ouais, son V-Star, c'est d'une violence, les loulous. 190, vous pouvez défausser un stade en jeu. Ah, ça, c'est relou aussi pour moi, ça. Ça m'embête fortement, ça. Aïe, 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 les loulous. Ça, c'est pas bon pour nous. Ah, Peau Marmotte, ça joue. Ah, c'est trop bien, ça. Peut-être vous en souvenez, mais j'avais fait un deck électro-genèse. Il avait le Peau Marmotte. Peau Marmotte classique, il pouvait faire électro-genèse et le ex, il pouvait snipe le banc. Ça, c'était vraiment cool, ça. En plus, il était trop mignon. Donc... On avait un truc tout mignon, Peau Marmotte. Donc là, on va essayer de rattraper les cartes récompenses pour mettre KO en un coup des trucs. Alors, échange croisé, problème, c'est quoi? J'en ai qu'un, là. Si je mets Manaphy sur le poste actif, qu'est-ce qu'il fait, là? Faut choisir les cartes récompenses, hein. Allez, choisis la carte récompense, s'il vous plaît, en face. Frappe écrasante, ouais. Ça, c'est pénible, ça défausse un stade. Je peux essayer de jouer sur la chance avec l'échange croisé. Je sais pas trop. Ouais, je vais mettre Manaphy.
mettre Manaphy. Ah mais il peut faire son Vestar derrière. Ah ça, ça fait mal ça. Là on est cuit hein. Là je vous dis ça va faire mal hein. Parce que même si j'attache deux énergies derrière, ça sert à rien. Ah je vais défausser hein. Je vais défausser ouais. Bah c'était ouais c'était pas plus mal dans un sens. Je vais mettre à... Attendez. Là il va... Avec son Vestar, il peut infliger 60 dégâts, soit 240. Derrière j'ai mon talent. Donc c'est pas si grave en fait. J'ai l'échange d'énergie pour régénérer. J'ai vitalité de la professeure Olim. Je vais blinder la défausse. Je vais blinder la défausse. Je vais faire ça. Échange croisé. De toute façon j'en ai perdu un d'échange croisé. Je vais mettre mon dernier pelage. Voilà. Allez let's go. Ah j'aurais peut-être dû garder une hyperbole. Je suis bête pour défausser. Parce que j'aurais fait vitalité avant en fait. Ah mince. Bon tant pis. Tant pis. Mais c'est quand on fait des plays comme ça qu'on peut perdre en fait. En même temps, c'est compréhensible. Là, je fais un peu des conneries, là. Aïe, 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 les amis. C'est compliqué. Pierre Céleste Sylvestre. Là, il va aller chercher la carte qu'il veut. Eh, Zeraora, il fait bobo, hein. Faut vraiment que je m'en débarrasse. Derrière, avec Rampel, je peux mettre KO un autre truc, un Raikou, là. Avec l'attrape riposte. Ah, quoique, il peut mettre KO Manaphy, puisqu'il a la faiblesse électrique et que c'est pas un Pokémon de banc, donc il peut le faire, finalement. Ah, il a attaché de sa main. Il veut m'empêcher de faire mon... Ah bah non, du coup... Bon bah je ferai mon talent. Ok. Intéressant ouais. Super super. Et bah je vais faire ça. En plus l'échange d'énergie est vraiment fort dans ce deck. On va faire vitalité de la Profolim. Ça là. Ça là. On pioche de la carte. Parfait. Oui de l'énergie. Ça c'est bon ça. Je mets le capsule booster pour plus avoir de... Enfin avoir plus de PV pardon. On fait l'absorption magnétique pour attacher une énergie. Et il m'en reste 0 dans la défausse. Donc finalement je peux rien faire. Donc on va juste aller tabasser. Hein. On va le mettre KO en un coup avec la faiblesse. Voilà. Derrière je peux retenter mon talent pour taper un truc faible. Et puis voilà. Hein. Ah mince la trappe riposte on l'a plus du coup je suis bête. Ah bah il va falloir taper faiblesse instant. Hein. Type électrique l'avantage c'est que c'est tout le temps faible au type combat. Là où le type combat bah, représente trois types différents, donc forcément les faiblesses sont variées. Ça, c'est bon, ça. Là, on a clairement l'avantage, hein, les loulous. Même si mes KO, mon pelage sablé, ce que je ne pense pas être possible. Ouais. Ouais, donc là... Là, les amis, on est bien. Regardez, je pense même qu'il va abandonner notre adversaire. Je bats en retraite. Je fais le talent. Absorption magnétique. Je lui attache une énergie. Je attache une énergie de ma main. Et on attaque. Et on a gagné. Ben voilà les loulous! Vous voyez, ce deck, il est vraiment tout simple, mais il y a une bonne synergie naturelle des cartes, en fait. Et vraiment, c'est vraiment fun à jouer. C'est vraiment un deck sympa, en fait, j'aime bien. Bon équilibre. Pas parfait, mais c'est très bien. Allez, ben let's go pour une game suivante. Et c'est parti pour la deuxième game! Allez, 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 allez! Donc là, on a la petite piécette à des amis, je sais pas quoi, là, des Pokémon starters de Galar, machin, truc. On va se calmer tout de suite là. Descends, baisse d'un ton, parce que ça va pas le faire. Bon, contre quoi on tombe? Donc si on retombe contre de l'électrique, évidemment, ce serait bah, le summum. La faiblesse, on tape x2, ça fait très très mal. Bon, je pense pas que ça va réarriver quand même, faut pas abuser. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. On joue en premier. Ok, ouais, ça peut être plein de types de decks ça. Ah, ça peut sentir le Rugilune aussi. Ça, Rugilune en second, c'est pas mal. Miraidon, c'est pas mal aussi en second. Ouais, je sais pas trop ce que ça peut être, mais c'est, on verra bien. Un pelage sablé. Ah, pas bon départ, là. Pelage sablé, il est très compliqué, hein, au début. Aïe, 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 on peut vraiment rien faire pendant 3 tours, quoi. Aïe, 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 ça déraille. On va voir un petit peu. Allez, c'est la révélation, s'il vous plaît. Un deck, qu'est-ce que ça... Ah, peut-être... ouais, non, en fait, c'est impossible de savoir, hein. Vraiment, c'est impossible. Allez, qu'est-ce que c'est, là? On va voir la surprise. Nos torts. Et bah c'est parfait. C'est parfait hein, que nos torts, franchement, je m'y attendais pas. Incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, on pourra peut-être partir sur une machine comme ça, là, au tour d'après. Putain, c'est bon ça. Alors, on manque de cartes dans la défausse. Hein. Vraiment, la grande force, c'est de mettre des cartes dans la défausse pour pouvoir profiter du talent et notamment de la carte vitalité de du professeur Olim, pardon. Ça, c'est essentiel pour ce deck. C'est un peu, c'est vrai que c'est un peu dommage sans le Pokéstop, c'est un peu compliqué quand même de placer dans la défausse les cartes. Et ça reste assez aléatoire, mais globalement c'est vrai que ça fonctionne bien. Voilà, l'hyperbole a ce rôle là dans ce deck hein, pour le coup. Bon, je m'en sers pas forcément de la meilleure solution, enfin de la meilleure façon. Donc là je vois de l'eau.
Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut vraiment être Palkia V-Star, ça peut être... comment il s'appelle là déjà le... Ça peut être... Ah, Super Dauphin. Ah, Super Dauphin. Ah oui, alors quelle version il va jouer? Ah bah, je pense qu'il y en a... Je crois qu'il y en a qu'une actuellement, en fait, deux versions de Super Dauphin. Il me semble qu'elle fait 210 si le Pokémon est passé sur le poste actif. Donc là, il va faire évolution vaillante, passer sur le banc, et au tour d'après, repasser sur le poste actif. Donc là, il va évoluer instantanément, en fait. Ah, machine! Bah, c'est pas plus mal, hein. Je voulais pas cette main. On a perdu quand même pas mal de supporters tels que Mimosa. Mais bon, bah, tant pis. Pelage sablé, en deux fois. Fait beau bol. Ouais, donc c'est un deck Super Dauphin, du coup. Ok. Ah, Palkia Super Dauphin, donc. Effectivement, c'est vrai que ce combo est joué. Est joué. En fait, comme Palkia V-Star, il régénère 3 énergies, il peut s'en mettre 2 à lui et 1 à Super Dauphin. Et du coup, bah, c'est parfait, en fait. Il recharge tout le monde en un tour. Ce qui est quand même pratique, hein, disons-le. Donc du coup, on va peut-être éviter de bench s'il y a Palkia V-Star. Par défaut, il fait 60, 80, 100, 120, 140, 160. Là, il fait actuellement 160 points de dégâts, donc je vais peut-être pas bench, parce que il peut très très vite dépasser les 200. Donc, on va regarder quand même. Alors, donc si ce Pokémon n'a pas été déplacé du banc vers le poste actif, cette attaque ne fait rien. Voilà, donc, effectivement, le but, c'est surtout de faire des gros dégâts facilement. Ah, échange d'énergie. Bah, ça tombe bien, on n'a pas d'énergie, en fait. Ah, j'aurais bien voulu bench avec Professoral derrière, enfin recherche. Le problème, c'est que si mes levées star, là, ça fait 60 plus 20 Pokémon de banc, quoi. Donc là, ouais, ça fait 160, quoi. Si j'en mets 2, ça fait 180, 200. Ouais, bah... Pff. Le problème, c'est qu'il y a Amphinobi derrière si je mets pas Manaphy. Ah non, c'est bon, c'est tranquille, en fait. Alors, attendez. Là, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12. 180, si lui, il en rajoute 2 derrière, il peut attendre les 220 et me mettre KO. Ouais, je vais devoir me supprimer un pelage sablé, hein. Pour le moment, hein. Je défausse toute ma main. Oh, c'est une blague. Oh, c'est pénible, ça. Bon, je reprends un pelage sablé. De toute façon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Aïe. J'ai perdu beaucoup de cartes, là. Hein. Non, non, ça va pas tant que ça. Après, j'ai toujours Mimosa, au pire, pour recycler, mais... C'est vrai que c'est dommage. Je mets à qui, là, l'énergie? Je sais pas quoi en faire, moi. Allez, on va tenter, peut-être, potentiellement, une attaque. Si mes KO en un coup, c'est... Enfin, c'est peu probable, en tout cas, avec même avec Super Dauphin qui fait 210, quand même. Ça me paraît peu probable. À voir. À voir. Motorizard. Alors, lui, c'est le soutien pur, hein. Ouais, il est pas terrible, hein, ce poké. En fait, il a un bon... Si, quand même, il a un bon pivot, il pioche deux cartes. C'est pas une mauvaise carte, en soi, mais c'est pas dingue, non plus. Bah, surtout que là, maintenant, je sais pas à quoi ça va lui servir à... Ouais, pivot, oui, si, remarque. Pivot à 110, c'est quand même pas mal. Un pivot de base à 110, c'est... Oui, c'est correct. Ça permet quand même d'éviter qu'il se fasse one-shot par beaucoup de choses, notamment le... Bah, le Pokémon qui l'utilise, hein, littéralement, il est là, hein, regardez. Le Amphinobi Radio, quoi. Ok, Lumineon qui fait quoi? Qui recherche le supporter. Je sais plus si on le voit, je vais regarder si on voit le supporter, quand même, ça pourrait me donner un indice sur ce qu'il va faire. Pepper, ok, on le voit. Donc, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Il n'y a pas le... Il n'y a plus le saut, mais il y a l'urne. Il peut récupérer l'urne terrestre pour défausser de l'énergie, justement, et en récupérer, d'ailleurs, dans la main, hein, tant qu'on y est. C'est vrai qu'il peut faire ça. Derrière, il peut prendre Hyperbole. Voilà, urne terrestre, je m'y attendais. Et il prend la... Il a pris la CT pour charger en énergie, justement, aussi, les Pokémon. Donc là, on est vraiment sur... Je vais charger mes Poké, et dès que possible, je te latte la gueule. C'est littéralement ça, là. Ah, mais il me fait déjà 220, en fait. J'ai mal compté. Le Palkia, là. Il fait pas déjà 220, justement? Attendez. 860 plus 60, 220. Mais en fait, j'ai mal compté, hein. Mais je suis un abruti, hein. Vraiment, je ne sais pas compter. Ah. Bah, il a pas mis sur le poste actif, l'énergie? Hein? Bah, du coup, comment il va faire? Il a un échange? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Qu'est-ce que tu nous fais, là, Bernard, là? C'est pas net, hein. Baptiste, t'es pas net. Portail Star. Ah oui, d'accord, déjà. Il y a combien là? Ah, il y a 3 énergies, d'accord. Ah bah là, je suis mort. Ah bah là, je suis cuit, les loulous. Ah, dommage. Amphinobi en plus, putain, derrière. Il a rechargé l'Amphinobi à tout moment. Ok, stop. Ah, et en plus, une... Ah oui, passe de combat et machin, ouais. Aïe. Il va falloir essayer de jouer avec Rampel temporairement. Si on y arrive, bien sûr. Bon, là, il faut bench, faut aller chercher Manaphy. Je l'ai pas défaussé, quand même, Manaphy, hein, les loups. Oh, mais comment ça, je l'ai défaussé? Mais je suis un abruti, j'aurais dû le mettre. Oh, mais je suis un débile. Là, si je perds, c'est mérité. Mais non, mais Manaphy, je l'ai dit, en plus, qu'il était essentiel. Il y a Amphinobi Radieux, les loups.
Je suis trop bête. Machine. On va pas défausser notre main là. Ça ferait mal. En plus, ça embête l'adversaire. Je vais pas me gêner. Ah, ça par contre, c'est chiant. Ah, Pokéstop. Hein. On va voir ce qu'on chope. Échange croisé. Allez. Absorption magnétique. On se recharge. On se recharge, les loulous. Bon, c'est toujours ça de prix. Hyper Ball, je peux plus faire grand chose avec. Hein. J'ai perdu deux pelages sablés. Ah, va falloir temporiser les loups. Va falloir temporiser. Bah, les rampels, je vais les perdre. Hein. Mais il n'y a pas le choix parce que là, j'ai pas d'autres cartes. Avec Pokématos, au prochain tour, faut que j'essaye de récupérer Vitalité du Professeur Olim. Enfin, de la Professeur Olim, pardon. C'est vraiment la carte qu'il me faut. Parce que là, je suis bloqué là. D'ailleurs, j'ai perdu quoi? J'ai perdu deux échanges, non? Ah non, j'ai encore. Ok. Ah, c'est compliqué la partie, là. J'ai pas Manaphy. Ouais, ça peut faire très très mal sans le Manaphy. On va essayer de faire un Pokématos pour choper un truc intéressant, là. Mais je pourrais pas faire Olim plus Mimosa en même temps, hein, donc va falloir se décider. Corde sortie. Ah, c'est chiant. Bah, je remets un rampel. Ah, mais il met KO avec le dauphin, là, en fait. Et oui, c'est ce qu'il voulait, en fait. Je suis trop bête. J'aurais dû mettre pelage sablé. Machine. Oh non. Oh non, j'avais une bonne main. Bah, remarque, on va peut-être récupérer nos cartes, ouais. Ah, pas du tout. Ah, ça est catastrophe, là, les nos cartes. Oh là, c'est pas bon du tout, là, les cartes qu'on a chopées. Hein. Ouais, c'est pas bien. Pas bien, il me faut pas le faire. Y a peut-être un truc à tenter. On a quand même un Luminéon qui est une cible de choix. Le Palkia qui est compliqué à one-shot. Bah, impossible, d'ailleurs, dans notre situation actuelle. Et on a l'Amphinobide qui, justement, va être une grande menace, je pense. Là, en vrai, j'aimerais bien même taper l'Amphinobie, quoi. Parce que Super Dauphin, il peut pas nous one-shot. À moins qu'il ait rajouté un outil ou un bandeau ou j'en sais rien. Mais j'y crois pas trop. Donc ouais, je pense qu'en vrai, ça peut le faire. Faible au bol, rampel. Voilà. Parfait, ça a mélangé le deck. Donc du coup, si je mets KO l'Amphinobie, derrière, c'est point vengeance. Sur qui je peux le mettre? Ah, lui, je fais 140. Et ben lui, point vengeance. Si je veux mettre KO le dauphin, j'ai pas trop le choix. Je vais faire l'absorption magnétique. Hein. Y a aucune raison que je ne le fasse pas. Si j'arrive avec le Pokématos à choper la Professeur Olim... pardon. Alors, dit comme ça, c'est que c'est chelou. Ça pourrait être pas mal. Pokéstop. Allez, on va voir. Est-ce que je défausse? Énergie, oui. En plus, échange croisé. Pokématos. Professeur Olim, impeccable. J'ai deux énergies. Comment ça? J'ai défaussé une énergie. Ok, bon, bah, j'en ai pas d'autres, alors. Me se tromper. On va faire comme ça. Vitalité. On l'attache ici à pelage sablé. Bon, on a des recherches pro. Et là, en vrai, maintenant, j'hésite. Hein. En vrai, pourquoi pas mettre KO le Luminéon? Ouais, mais l'Amphinobie, il va être si dangereux que ça, en vrai. Il peut pas mettre KO en un coup, l'Amphinobie. Il peut juste m'affaiblir, en fait. Pour le Super Dauphin. Ouais, en fait, ça fond... Ah, c'est compliqué. Hein. Bon, je mets le Luminéon VKO, que je rattrape un peu mon retard. C'était pas la meilleure solution, je pense. L'Amphinobie, en vrai, et le Super Dauphin sont peut-être plus menaçants. Mais j'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes. Et mon rampel, il y a peut-être un truc à jouer avec. Notamment l'Amphinobie, là, j'ai envie de le... Enfin, le super Dauphin, il peut être KO en un coup avec mon rampel, en fait. Donc j'ai envie de jouer là-dessus. Motorizard. Ok, il va pivoter. Il va pivoter avec son Motorizard. On va en profiter. De son free retraite, comme ça. Ouais, bon là c'est l'Amphinobie qui entre dans la place. Amphinobie dans la place. Il est dans la place. Ah, il va mettre KO mon rampel. Ah, oh, c'est pas gentil ça. Comment? Pourquoi il prend celui-là? Bah, pourquoi il me met KO celui-là de pelage sablé? Du coup, je peux réattaquer avec l'autre gratuitement. J'ai pas bien compris là, mon petit chien. J'ai pas compris, hein. Il va faire quoi? Il va attaquer avec Palkia. Palkia, il fait 200 là, il fait pas 220. S'il attaque avec Palkia, il fait 200. Hein. Pas 220. Hein. Je suis persuadé. Hein. Bah ouais, c'est ça, il veut attaquer avec Palkia. Hein. Et oui, il lui manque un Pokémon de banc, il fait que 200. Hein. Ah bah c'est bon en fait, il fait 220. Allez! Super! Oh là là, ce jeu. Oh, c'est relou. Mais Palkia V-Star, il est trop chiant, sérieux. Oh bah, si tu mets des pokés, bah, je te tourne un coup, hein, pour deux énergies. Ah là là, c'est rigolo, hein. Qu'est-ce qu'on rigole. Faible au bol. Voilà, bah, j'ai plus rien. C'était prévisible, je m'y attendais. Alors, j'ai le rampel. Pokématos. Il faut que je recycle du... Voilà, Mimosa, parfait. De toute façon, je pensais bien que j'allais la trouver. On va aller chercher
Pelage, 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 rampel. Bon, en fait, littéralement tout mon deck. Ah, bien. Le problème, c'est que si je mets pelage sablé sur le banc, il est automatiquement mis KO. Ah, Pokéstop, attendez. Si je peux choper un échange croisé. Oh oui. Eh ben, on va faire l'échange croisé. On va tuer le Amphinobi avant qu'il me tue. Et derrière, s'il met Super Dauphin, il est pas bien. Allez, salut les loulous. Salut. Et je mets mon pelage sablé. Paf, absorption magnétique. Est-ce que j'ai attaché de ma main une énergie? Oui, je l'ai fait. Eh ben écoutez, les amis, on va quand même faire absorption magnétique ici. Ça coûte rien. J'ai toujours un échange d'énergie de toute façon pour ça. Et on va le mettre KO. Voilà. Turbulence enflammée. Ah mais non, mais il me reste qu'une carte récompense en face, j'avais pas vu. Ah mais je suis trop bête, en fait il restait qu'une carte en face à récupérer. Ah bah GG. Oh bah j'ai fait le teubé. J'aurais dû attaquer avec un pelage sablé et essayer de choper le... Et pas poser l'autre en fait de pelage. J'aurais pas été KO en un coup. Ah je suis bête. J'aurais dû garder mon pelage dans la main. Et comme ça le super dauphin aurait fait 210 et le palkia bah 200. Parce que du coup il manquait un Pokémon de banc. Et même s'il le remettait, bah 200, parce que moi, il m'en manquait. Hein. Ah, je suis trop bête. Bon, bah, écoutez les loulous, j'ai fait une bêtise. Après, je pense qu'on aurait peut-être pas réussi à remonter quand même, hein, parce que ça aurait joué à très peu. Je sais pas. Ouais, il y avait 3 cartes récompenses. Mais bon, on aurait pu quand même continuer un peu, quoi. Bah, GG, très, très joli game, quand même. Malgré ma petite erreur à la fin, c'était pas mal. C'est bien amusé. Allez, on se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo les loulous, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce, un petit abonnement si c'est pas fait bien sûr. Et j'espère en tout cas que ce deck vous aura plu, parce que moi je le trouve très très rigolo à jouer. Franchement je vous le conseille, il est vraiment fun et simple en fait. En tout cas, moi je vous dis à mercredi prochain, comme d'habitude. Passez une très bonne journée. Salut !